log de n. Alors maintenant, enchaînons sur la question 3. Quelle est la limite de la suite somme des 1 sur k de 1 à n? Alors il y a de nombreuses méthodes pour répondre à cette question. La plus simple, c'est en utilisant ce qu'on a fait à la question 2. On a établi une inégalité. Donc la première méthode que je vous suggère, d'après la question 2, on a établi que on avait log de n plus 1 qui minorait la somme des 1 sur k de 1 à n, quel que soit n appartenant à n étoiles. Et bien par comparaison de limite, on va s'en sortir. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 est égale à plus l'infini, on n'a pas besoin de détailler, log en plus l'infini tend vers plus l'infini, et ln plus 1 aussi. Par comparaison de limite, on peut affirmer directement que la limite de la somme des 1 sur k de 1 à n est égal à plus l'infini. En mettant des points de suspension, en fait, cette somme contient des termes de plus en plus petits, mais il y a quand même de plus en plus de termes dans cette somme. Donc, en fait, cette suite va tendre vers plus l'infini.